Bonjour à tous, on se retrouve donc là, on est actuellement le 21 avril, donc dimanche 21 avril. Donc là, on se retrouve, moi je vais cultiver avec le 6R185 qu'on a en démonstration et derrière le cultivateur qui vogne de 3 mètres. Donc voilà, et après il y a mon tonton qui va épandre le fumier avec le 6810 et un épandeur Roland. Et mon père qui va épandre le fumier avec le 6890R et un épandeur. Je sais plus c'est quoi, je vais vous le marquer à l'écran juste en dessous. Donc voilà, bon allez, c'est parti. Amis, on se retrouve du coup plus tard dans la vidéo. Donc là on vient de finir de manger. Donc là tout simplement tout à l'heure j'ai fait une parcelle de 4 hectares et là direction une parcelle de 7 hectares. Donc il y aura mon tonton qui se rajoute avec le 6810 et un épandeur gentil. Donc là c'est parti, je vais au champ et on se retrouve plus tard. Amis, bien arrivé à la parcelle, comme vous pouvez le voir, le 6R185 avec le cultivateur est bien rendu dans la parcelle. Mon tonton est juste là-bas au fond de la parcelle pour charger tout simplement le fumier dans l'épandeur et mon père vient de terminer d'épandre son fumier. Bon les amis, actuellement je viens de terminer de cultiver toute cette parcelle, donc parcelle de 7 hectares comme je vous l'ai dit. Donc là je vous ai pas filmé vu que c'était assez compliqué, il y avait encore du sec debout vu qu'on avait fait un tas de fumier dans le champ. Donc là c'était assez humide, voilà, vous pouvez le voir à l'état des roues. Bon, je rentre à la ferme.
là aujourd'hui au programme de cette vidéo, une grosse vidéo. Donc tout simplement, vous l'avez vu sur les images que je viens de vous mettre, Arthur, du coup, celui qui conduit le 8R, du coup c'est un 8R 370 de chez Jeonderg, donc 370 chevaux avec une tonne derrière Samson, je sais pas si ça se dit comme ça, de 25 mètres cubes et de 28 mètres de largeur avec les pendillards. Donc c'est vraiment du très très gros matériel. Après, il y a mon père en train d'épandre le fumier avec le 6190R de chez Jeonderg, vous le connaissez très bien, et l'épandeur à fumier Pichon. Donc voilà, et cet après-midi, moi je vais cultiver avec le 6810 et le cultivateur 3 mètres de chez Kivogne, et notre apprenti Kian va tout simplement avec le 6R185, il va tout simplement déchaumer avec notre déchaumeur Pottinger de 5 mètres. Donc voilà, une grosse vidéo, du gros travail à faire. Bon allez, c'est parti. On se retrouve plus tard. Donc là je suis excité à mort, ça marche du tonnerre. Il y a Arthur avec le 8R qui est juste derrière moi, donc je vais déchaumer à suivre. Stéphane d'une entreprise agricole qui vient charruer avec un Fendt,
et une charrue 7 cordes de chacune. Mon père au fumier avec le... Il a changé de épandeur à fumier car il y avait une panne, du coup il l'a ramené à l'entreprise. Simulus 190, moi déchaumé et l'apprenti à cultiver avec le Simulus 110. Donc là il y a tout le monde, il y a aucun phare aux alentours à part nous. Bon c'est déjà bien parce qu'il y a combien de tracteurs? Stéphane, moi, l'apprenti, Arthur et mon père, je crois que j'en ai pas oublié, 5. Bon là c'est parfait, bon allez j'y retourne. Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve, on est actuellement le 23 avril 2024 et aujourd'hui ça va être plus calme que hier quand même, parce que hier on était quand même 5, tout ça pour nous. Du coup, bah voilà, entre la charrue, Lizier, moi cultivé, qui a notre apprenti à. Etc. Il y avait bien trop de choses et à filmer, c'était assez compliqué. Donc là aujourd'hui ça va être plus calme. Donc moi aujourd'hui je vais rouler avec le Sim 410 et le rouleau Kivogne de 6m20. Et mon père va tout simplement mettre le fumier avec le 6190 et l'épandeur à fumier Roland. Et après, notre apprenti va tout simplement cultiver avec le 6810 et le cultivateur 3 mètres de chez Kivogne. Donc oui, le 6185 est parti ce matin. Donc voilà, bon allez, c'est parti pour la vidéo. Bon les amis, on vient actuellement de terminer la parcelle. Donc là on n'est pas dans la même parcelle que tout à l'heure. Peut-être tout à l'heure on était dans une parcelle de 4 hectares et là on vient de finir la parcelle de 2 hectares. Du coup là on est à 6 hectares en tout, on a fait ça en 1 heure. Bon là on se dirige dans un autre champ. Bon allez c'est parti. Bonjour à tous, donc là on se retrouve, on est actuellement le 24 avril 2024 et comme vous pouvez le voir, on se retrouve, donc là on va broyer tout simplement un couvert, donc au mieux de le déchaumer comme on l'a fait précédemment dans les autres parcelles, on du coup le détruit avec un broyeur. Avec le Simu 410 qu'on a et le broyeur qu'on a loué de chez Kuhn, donc un broyeur de 3m20. Donc tout simplement on est avec le Simu 410 car tous les autres tracteurs sont occupés et aussi le Simu 410 est équipé de l'ATU. Donc l'ATU c'est tout simplement un volant motorisé jaune d'air qu'on peut équiper sur toute autre marque. Donc voilà, bon allez les amis, c'est reparti, on finit de broyer et je vous reprends plus tard dans la vidéo. Pour ceux qui ont reconnu la parcelle, on est bien dans la parcelle où je vous ai fait une vidéo où on se met les couverts. Donc tout simplement, je vous mets la vidéo en lien dans la description. Donc n'hésitez pas
à aller regarder la vidéo, donc parce que c'est la vidéo préférée de papa et elle est toujours pas à 1000 vues. C'est une des seules vidéos qui est toujours pas à 1000 vues, donc pour qui, pourquoi elle a pas fonctionné. C'est comme ça. Bon allez, c'est parti. Bon les amis, on se retrouve plus tard dans la vidéo. Donc là, la parcelle que j'ai commencé tout à l'heure. Donc là, j'entame les fourrières. Donc tout simplement, là, tout le monde est au boulot. Alors là, les bennes d'ensilage, etc. Alors là, ça défile l'enrubanage, ensilage, etc. Surtout ensilage. Mais bon, faudrait qu'ils se dépêchent car le temps, je sais pas s'il va se tenir. Mais regardez-moi cette terre de l'ami, mon pote. Incroyable. Donc nous au niveau préparation de la terre on est vachement en avance. Donc ça c'est vraiment bien car ce week-end il annonce de l'eau. Donc on passe un coup de karaté partout. Après on attendra et je pense qu'on repassera un coup de karaté et peut-être un coup de déchaumeur. Et après on sèmera, de toute façon on verra en fonction du temps. Bon allez, j'y retourne. Parcelle de 2 hectares enfin terminée. Là il doit être entre 22h30 et 23h. 15 hectares au compteur, donc c'est vraiment pas mal. Demain on continuera je pense, et après on se laissera sur ça vu que cette semaine, cette vidéo a été assez longue pour vous je pense. Et niveau montage pour moi ça va être assez chaud quand même, mais je vais essayer de vous sortir la vidéo la mieux faite possible. Bon allez, c'est parti. J'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve, donc moi je suis avec le 6890R et le Karat 10 de chez Lemken, 3m50. Donc là je suis dans une parcelle de 13 hectares. Donc vraiment du super boulot, de la bonne mie, etc. Là on pourrait se mettre à suivre, mais le problème c'est qu'on n'a pas un autre tracteur. Il faudrait un autre tracteur de 200 chevaux. Mais regardez-moi cette terre, c'est vraiment de la très très belle terre. Donc voilà, bon après là on n'est pas rendu là-bas. Je pense que là-bas ça risque d'être plus compliqué, mais là pour l'instant ça fait vraiment du très très bon boulot. Bon allez, j'y retourne. Car il est 1h du matin. Donc je viens de terminer une parcelle de 4 hectares. Et tout à l'heure j'étais dans la parcelle juste ici. Donc là une parcelle de 13 hectares. Donc là en tout en 2 jours on a fait une trentaine d'hectares au karat. Donc c'est vraiment pas mal, pour être précis 35 hectares. Donc voilà, bon allez je vais me coucher. À demain. Allez, bonne chance Jean-Luc.
Bon les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Voilà, bon allez, c'était Jeff Hargy. Allez, bisous. Et aussi les amis, j'ai oublié de vous dire, mais cette semaine, on n'a pas fait que ça. Donc, j'ai pas pu vous filmer d'autres choses. Par exemple, on a fait de l'enrubanage, on a fait de l'azote, etc. Donc, j'ai pas pu tout vous filmer parce que soit j'avais pas mon téléphone sur moi ou soit je savais que ça allait être beaucoup trop au niveau du montage. Bon, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière fois que vous me voyez dans cette vidéo. Bon, allez, bisous.